Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit point Diamond Painting, étant donné que j'ai reçu mon second projet que j'avais commandé sur AliExpress. Du coup, je ne le commencerai pas tout de suite, donc voilà, parce que j'ai mon en cours Cars. Je vais peut-être vous montrer où j'en suis, mais enfin voilà, il est tellement grand que j'y vais mettre des plombes à le faire. Donc voilà, celui-ci, je l'avais commandé en espérant le recevoir avant pour pouvoir le commencer, mais voilà. Mais après, je vais manquer de place pour pouvoir le faire, quoi. Si j'en accumule, j'en commence 2-3. Non, je vais le faire. Donc c'est pas la peine. Donc je vais vous montrer et on va faire le pointage ensemble. Voilà, donc je pense que je vais juste vous montrer comme ça. J'ai commandé celui-ci avec clochette, étant donné que j'adore les filles et que voilà, voilà. Donc je l'ai pris en dimension 30-40. Donc il y a une longue liste de diamants, hein, alors que 15, j'en avais quand même beaucoup moins. J'en ai combien ? J'ai que 25 couleurs pour le projet Cars. Et là, donc, j'en aurai 35. Voilà, 35 couleurs. Donc, il est beaucoup plus petit, c'est sûr. Mais bon, ça reste un full. Je vais peut-être vous montrer aussi, j'ai terminé mon partiel. Je ne sais même pas si je vous en avais parlé de celui-ci. J'en avais commandé un sur Amazon en partiel. Quand vous commandez sur Amazon, vous ne savez pas si c'est un partiel ou un complet. Hein, clairement, il n'est pas stipulé dans le titre ou même dans la désignation du produit. Donc j'ai terminé mon premier partiel et c'est un drills rond. Donc voilà, un attrape-rêve. Donc vous voyez, il n'y a vraiment que l'attrape-rêve qui est en diamant. Je ne sais pas si vous voyez quand même. Me rapprocher, mais voilà, il y a vraiment que l'attrape-rêve qui est en diamant. Voilà, donc celui-ci je l'ai fait au boulot. Voilà, quand j'ai besoin de me détendre, que j'ai envie de les taper, ben voilà. Donc ça m'a pas bien servi dernièrement. Voilà, je l'ai terminé. J'avais fait une petite pause. Et il y a un soir où je me suis fait agresser, du coup bah, le lendemain bah, j'en ai fait pour me détendre parce que voilà, j'avais un petit peu les nerfs qui lâchaient. Mais bon, voilà, pour celui-ci, donc il va falloir que j'essaye de l'aplatir quand même encore un petit peu. Parce que bon, bah, pour le ramener chez moi, je l'ai reroulé. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que je vais pas en refaire au boulot parce que c'est compliqué pour le ramener à la maison. Donc là c'était un 30-48. Mais bon, il est très très joli quand même. Je sais pas si je vais l'encadrer ou je sais pas trop. Parce que bon, il est arrivé avec un défaut sur le dessus. Je pense que vous le voyez. J'ai une partie qui est blanche au lieu d'être noire. Voilà. Donc je sais pas trop. Je vais sûrement quand même l'encadrer ou je vais peut-être me procurer une grande pochette pour mettre tous mes projets une fois terminés. Parce que je pense que je les encadrerai pas tous. Hein, j'aurais forcément pas la place partout, mais je me suis bien amusée à le faire. Mais bon, clairement, les ronds c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins précis. Là, on voit qu'il y a le fond quoi derrière les pierres. Je pense que vous voyez, on voit le fond, il n'y a pas que les diamants hein, qui font la couleur quoi. Donc, je pense. Que je vais préférer les carrés. Voilà pour celui-ci. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous intéresse. Celui-ci, je ne sais plus trop combien je l'avais payé. Mais bon, donc celui-ci que j'ai reçu dernièrement, donc un 30-40 avec 35 couleurs, donc là, fait clochette. Celui-ci, je l'ai eu pour 9,93€, donc sur Ali. Donc dans le colis, il y avait ceci. Il y avait la petite pochette avec le tray, donc qui est la partie, voilà, ce petit truc, le petit récipient où on met les diamants et on secoue un petit peu, ils se mettent dans le bon sens. Et c'est bien parce qu'il y a un petit goulot,
enfin, un petit truc là pour pouvoir remettre dans les sachets ou dans le petit, petit pilulier où on range les diamants. J'ai la wax qui est en pas de bon état, mais bon, clairement je m'en fous parce que je risque pas d'utiliser tout ça pour faire le projet. Là pour Cars, j'ai encore pas, oui, j'ai pas utilisé grand chose. Je m'amuse plus avec autre chose. Hein. Le petit stylet. Voilà, c'est la première fois que je reçois un stylet comme ça. Avec le bout de mousse au bout. Parce que là j'avais reçu deux stylets dans les deux précédents DP. J'avais reçu des stylets comme ça. Des traits verts. Voilà. Donc je vais pouvoir tester celui-ci. J'ai reçu une pince dans celui-ci. Chose que je n'avais pas dans mon projet Cars. J'avais pas de pince, donc moi j'utilise ma pince nail art quand j'ai besoin, quoi. Mais bon, là c'est cool, j'ai enfin une petite pince et elle est droite, ça sera peut-être plus pratique, je sais pas, je verrai bien. Je vais tester et j'ai un second embout pour mon stylet, je peux changer le... voilà, pour faire beaucoup plus de diamants à la fois, mais clairement je me sens pas. Parce que pour qu'ils arrivent à se mettre correctement dans le bon sens et tout dessus, enfin je sais pas. Puis bon, il est pas si gros que ça. Hein. Là c'est sûr pour Cars ça pourrait me servir, mais quand vous avez un DP complet avec beaucoup de blanc en fond ou du noir en fond, ouais peut-être que c'est sûr au bout d'un moment, il y a possibilité d'en avoir marre de mettre tout le temps la même couleur, mais bon. Mais bon, je vais tester. Ensuite, on a le sachet avec tous les twists. Donc là, c'est tous les petits sachets qui sont séparés, c'est très bien. Parce que dans le projet Amazon que j'avais reçu, c'était des sachets tous collés les uns aux autres et pas d'ouverture. Il fallait mettre un coup de ciseau et tout. Et bon, bah, après, une fois qu'il est ouvert, et il vous donnait que quelques sachets, quoi. Vous n'aviez pas suffisamment de sachets pour mettre toutes les couleurs disponibles. Donc voilà, j'ai dû me faire des... Je vais vous montrer. J'ai dû me faire des sachets maison avec mes rouleaux de caisse. Voilà, je me suis fait des petits... avec du scotch, enfin c'était pas... c'est pas terrible hein, parce que tout se colle au niveau des scotch. Hein. Mais bon, j'avais... Vous voyez, il m'en reste pas mal, donc c'est dur. Hein. Et oui, ils avaient mis quoi, 4 sachets pour plus de 10 couleurs, donc... Donc ouais, bof. Donc là, j'ai des sachets. Voilà. Je vois que j'ai pas beaucoup de diamants dans... Mais bon, normalement, j'ai ce qu'il faut. Normalement. Donc 35 couleurs et le... Ouais. Parce que normalement, je suis censée avoir un sachet avec plus de... Le plus de... Voilà, 2443 diamants, normalement. Pour une couleur blanche, et est-ce que les sigles sont dessus? Non, je vais me répertorier, donc normalement c'est la 26. Il va falloir que je fasse mon petit... Est-ce que j'ai la feuille à l'intérieur? Non, je n'ai pas de feuille à l'intérieur. Et donc là c'est commandé chez monsieur, la boutique Huacan. Donc elle est réputée celle-ci normalement par rapport au groupe Facebook où je suis. Voilà, elles sont beaucoup à commander chez lui et elles ont peu de soucis, donc à voir, je verrai bien. De toute manière, je ne peux pas vous montrer à quoi il ressemble hein, parce que vous voyez, il y a une protection plastique dessus. Et bien sûr, je le trie à l'envers, mais bon, je le vois, moi je le vois à la lumière, je vois à travers. Voilà. Donc je vais vérifier si j'ai toutes mes perles, s'il me manque rien. Je vais faire ma petite liste. Et je vais vous mettre dans l'autre sens, je pense. On va le faire ensemble. C'est bazar chez moi. J'ai des diamants partout. Et j'attends toujours... je me suis commandé une grosse boîte de piluliers via Amazon. Mais c'est beaucoup plus long qu'AliExpress, quoi. Donc j'aurais su, je l'aurais commandé sur Ali. Voilà, donc j'attends toujours. Ça arrive chez moi et je pense que ce mois-ci je vais m'en recommander d'autres
sur Ali, voilà, pour pouvoir ranger toutes celles de Cars, tout ça, parce que vous voyez les sachets que j'ai eu avec Cars, quoi, ils sont beaucoup plus gros, hein. Voilà, mais bon, le projet est énorme, donc, et déjà avec ça, j'ai peur de manquer, mais bon, vous verrez bien. Donc, je vais me noter projet d'épée Tinkerbell. Donc c'est un la dimension 30 × 40. Donc normalement on a 35 couleurs. Alors en numéro 1, on est censé, donc c'est le numéro 154. Alors est-ce que j'ai mon 154? C'est le symbole. Tu m'as dit bon putain. Non, non. Ça je pense. 154, 400. C'est chiant, c'est qu'il y a deux numéros. Alors après je me filme. Hein? Parce que là il y a 104. Il y a toujours deux numéros. Donc est-ce que c'est ça 154? Oh, je regarde pas. Mais bon, je pense que c'est 1154. Je pense que c'est 1154 pour lui aussi. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est clair pour lui. 1, donc 154. Normalement, c'est 408. Donc, à mon avis, on a 408 et normalement, on a besoin de 4332. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, nous avons le 1, numéro 154, et je pense que 408, c'est le nombre de gems à l'intérieur. Et pour mon projet, c'est écrit, je vais le mettre. Voilà, pour le numéro 1. Comment je vais faire? Voilà. Pour le numéro 1, il en faut 332. 754, avec le symbole très fleur. Donc, je pense que c'est ça. Donc, je l'ai mis là, donc 154. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, le 2. Donc toujours bien pointé quand vous avez reçu votre produit, parce que ça arrive qu'il manque, et même là ça se trouve je risque peut-être de manquer. Après normalement ils vous en renvoient si vraiment il vous en manque, une fois le projet en cours. 452, donc bien pointé. 9, c'est le 500, oui, 500, hop.
hâte de finir Cars pour pouvoir commencer celui-ci. Mais bon, voilà, Cars, il va me prendre très 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 longtemps. Elle est trop trop jolie, cette petite Tinkerbell. Quand je reçois mon colis, voilà, j'ouvre tout et je pointe tout, je vérifie que j'ai tout. Voilà, comme ça, et puis derrière, je vais essayer de noter le temps que je passe quand je fais mon projet. Là, pour Cars, j'ai commencé à le faire, mais il y a des moments où j'en fais et je note pas forcément parce que mon bébé, je le fais sans le faire parce que je m'arrête toutes les deux secondes pour m'occuper de mon fils. Mais enfin, voilà. Voilà. Mon projet Cars. Comment je peux faire? Là, on voit un petit début de Luigi. Là, il y en a un sergent.